Samedi 4 août 2012, près d'une décennie depuis leur dernière rencontre, Mazembe et Zamalek se croisent à nouveau. La presse a fait un grand travail de sensibilisation sur la ville et le public s'est déplacé en masse jusqu'au stade TP Mazembe-Anglébéen pour un match crucial pour la survie du club congolais en cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Deux heures avant le match, le groupe d'animation des 100% donne le ton. Nous sommes à 1h, le stade plein boue déjà. À l'entrée des joueurs sur la pelouse, le public explose. Quand c'est au tour de Zamalek, les Égyptiens sont hués, de quoi les démoraliser. Moïse Katumbi, président du club, entre, le public scande Igwe, Igwe, le surnom donné au tout grand président du club congolais. Le match se poursuit et chaque occasion manquée fait écho dans les gradins. 0-0, ce sera le score à la mi-temps. Les Badianguena sont inquiets. Retour, les yeux du public sont tous rivés au ciel. Deux corbeaux traversent l'espace aérien du stade privé du TP Mazembe Anglébéen. En cette seconde partie, les corbeaux marqueront deux fois. Le premier but est signé Kasungungandu Isaac. Et le second sera l'œuvre de Samagoul, qui signe son 15e but personnel en passant toute compétition confondue. Une chose est vraie, le public a réellement porté le TP Mazembe Anglébéen à la victoire. Nous sommes à mi-chemin, l'essentiel est fait, mais le groupe reste à faire pour l'équipe du TP Anglébéen Mazembe.